Tristan est orphelin. Il est adopté par le maréchal Walt, un ami de ses parents. À l'adolescence, il apprend qu'il est le fils d'un roi. Il devra donc devenir roi à son tour. Mais il ne veut pas gouverner. Il laisse le trône à Roald et il devient chevalier. Lors d'un combat contre un colosse, Tristan est blessé par une lance empoisonnée. Personne n'arrive à le soigner et il est abandonné sur une barque. Au bout de 7 jours, il fut soigné par Isette la Blonde, qui est la fille du roi d'Irlande. De retour chez lui en Cornouailles, on lui confie une mission, aller chercher la fille dont les cheveux d'or ont été déposés par 2 hirondelles à son oncle. Il retourne en Irlande pour cette mission, pensant que le cheveu était à Isolt et il doit combattre un dragon. Tristan parvient à le vaincre en lui plantant son épée dans la gueule, mais Tristan est de nouveau empoisonné. Isolt le soigne une nouvelle fois. Elle est promise à un autre prince et sa mère lui prépare un filtre d'amour pour un mariage heureux. Mais rien ne va se passer ainsi. En voulant trinquer, Tristan et Isolt se sont trompés de verre et ont bu le filtre d'amour. Ils sont tombés amoureux. Chaque soir, ils se donnent rendez-vous en cachette, mais ils se font vite démasquer. On leur dit qu'ils seront brûlés à l'aube. Ils vont s'enfuir du château. Cachés dans la forêt, ils prennent l'habitude de mettre une épée entre eux pour dormir. Lors d'un dernier combat, Tristan est à nouveau empoisonné et il attend qu'Isolt vienne le soigner, mais on lui ment en lui disant qu'elle ne reviendra pas. Il se laisse alors mourir. Isolt revient finalement et meurt de chagrin dans ses bras. Le roi, furieux qu'il se soit encore retrouvé, décide de les enterrer de chaque côté d'une église. Mais le soir même, des ronces poussent sur la tombe de Tristan et rejoignent celle d'Isolt. Pour prouver que la mort ne séparera jamais les amoureux.